On va faire une petite calcul, une petite analyse mathématique pour voir de quelle façon on peut relier la loi de Henry et la loi de Louis Randall. Alors, on ne fait pas ça pour juste pour le fun. On fait ça parce que ça va nous donner un résultat qui va être très intéressant. Donc, commençons. Qu'est-ce qui arrive si la composition de A s'approche à A? Dans ces A, on dit que A s'approche au comportement d'une composée pure. Là, si on fait un zoom de façon moléculaire, on peut voir que dans ce cas-là, si A, c'est les particules bleues, et B, c'est les particules A, mais ici, on est en train d'analyser A. Mais on se rend compte que A, que les interactions A-A sont dominantes dans ce cas-là. Ça veut dire qu'il y a peu d'interactions entre A et B. La plupart d'interactions, c'est entre A et A. Et on voit donc que c'est ça qui domine les interactions A-A, dans ce cas. Donc, dans ce cas en particulier, si on suit la loi de Louis Randall, donc la courbe s'approche à la courbe de Louis Randall. Ça veut dire que les coefficients d'activité s'approche à 1. Ça, on peut le voir facilement dans l'état de référence de Louis Randall. Ici, on voit que quand la composition s'approche à 1, on le voit dans la courbe, ce comportement de la fugacité, ça veut dire la fraction molaire de A fois I fois le coefficient d'activité fois la fugacité en état pur, et il s'approche à juste, on voit ici que l'allure de la courbe, et il se surpose sur l'allure de la courbe de Louis Randall. Donc, le comportement s'approche à le comportement de Louis Randall, ça veut dire que les coefficients d'activité s'approchent à A. Qu'est-ce qui arrive dans l'état de référence de la loi de Henry? Dans l'état de référence de la loi de Henry, donc, quand la composition de A s'approche mon pointeur, quand la composition de A s'approche à 1, dans la loi de Henry, on a les comportements suivants. Donc, première chose, c'est qu'il faut prendre compte que malgré la loi de Henry, la loi de Louis Randall, quand la fraction molaire s'approche à 1, la fugacité partielle s'approche à la fugacité en état pur. Ça, c'est un fait. Donc, on va amener la loi de Henry dans cette situation-là. Donc, si je prends la loi de Henry, donc la loi de Henry avec sa constante, il doit d'abord arriver que, ça veut dire la constante doit avoir une telle valeur que quand la fugacité partielle, la composition de A s'approche à 1, ça veut dire s'approche à l'état pur, la fugacité de A décrite par la loi de Henry s'approche à la fugacité en état pur. C'est ça que je veux dire dans ce cas-là. Donc, ça veut dire que les comportements qui est calculé par la loi de Henry doit s'approcher à la composition à la fugacité en état pur. Donc, dans ce cas-là, mais ici on peut dire, mais comme la fraction molaire s'approche à 1, donc cette équation-là s'approche à cette équation-là. Donc, dans ce cas-là, pour que ça s'approche à FA, ça doit arriver que les coefficients d'activité de Henry s'approchent à FA sous HA. De cette façon, quand on va substituer ça dans l'équation, ça va devenir FA. Donc, voici les deux cas. Donc, en résumé, quand la composition de A s'approche à l'état pur, à composé pur, c'est les interactions AA qui vont être prédominantes. Donc, dans ce cas-là, les coefficients d'activité de Louis Randall s'approchent à 1 et les coefficients de Henry s'approchent à F, à la fugacité pure divisée par la constante de Henry. Voyons un autre cas. Alors, on est allé au cas extrême quand la composition de A s'approche à 0. Maintenant, quand la composition de s'approche à 1, et
Je défais la surprise. Donc maintenant, on va travailler, on va étudier l'autre cas extrême quand la composition de A s'approche à zéro. Donc dans ce cas-là, on parle de dilution infinie de A. Si, il faut faire attention parce que je ne parle pas de... Quand on dit s'approche, ça ne veut pas dire qu'on est là, ça veut dire qu'on s'approche. Donc il s'approche, ça veut dire qu'il y a une dilution infinie de A. Il y a tellement, il est proche à zéro, mais il n'est pas zéro. Donc, dans ce cas-là, on a à dilution infinie, il y a à peine des traces de A. Il y a, la quantité de A est très, 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 très petite. Comme on avait parlé en classe, l'infini est très relatif. Donc, dilution infinie de A, mais ça dépend de quel appareil je vais utiliser pour mesurer cette composition-là. Donc, si j'ai un appareil très, 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 très précis, donc dans ce cas, la composition à l'infini, ça va être très 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 petite. Mais tout est relatif quand on parle de l'infini. Bon, ferme le parenthèse. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a en solution? C'est ce qu'on a A, les molécules de A qui sont toujours entourées de B. Donc le comportement de A va être un comportement où les interactions A, B sont dominantes. Rarement il va se trouver avec lui-même parce qu'il y a tellement, tellement quantité de B qu'on peut dire que toutes les interactions sont A, B. Donc, dans l'état de référence de Lewis Randall, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, dans l'état de référence de Lewis Randall, ça veut dire, je pars de l'équation de Lewis Randall. Dans l'équation de Lewis Randall, cette équation-là. Oh, quand je prends l'état de référence de Lewis Randall, ça doit arriver que les coefficients d'activité de cette équation-là doivent faire en sorte que la fugacité, que les comportements de la fugacité s'approchent à les comportements de cette courbe. Parce qu'il faut pas se rappeler que il faut pas sou, il faut pas oublier que dans cette équation-là, ça c'est le comportement de la fugacité réelle en fonction de cette coefficient. Donc on est en train de voir comment varie cette coefficient-là, quelle tendance a cette coefficient-là. Alors, quand je veux, je m'approche à la dilution infinie, la courbe s'approche à la loi de Henry. Donc, si ça approche à la loi d'Henry, ça veut dire que la fugacité va suivre la loi d'Henry. Mais dans ce moment, je suis en train de décrire la fugacité en fonction de la référence de Lewis Randall. Donc, j'ai l'équation qui dicte le comportement de la fugacité, c'est cette équation-là. Alors, cette équation-là doit avoir la tendance d'avoir les comportements d'Henry. Donc, dans ce cas-là, si on fait un zoom, je fais un zoom pour voir ça en perspective. Donc, on voit ici, on voit ça, c'est la loi de Lewis Randall, ça, c'est la loi de Henry, et ça, c'est la courbe. Donc, la courbe de fugacité qui est décrite pour cette équation-là, qui n'est plus que la loi de Lewis Randall fois un coefficient d'activité qui va corriger cette courbe, il va la amener à la courbe noire. Donc ici, on voit que le meilleur comportement, le comportement le plus proche, c'est la loi de Henry. Donc dans ce cas, je peux dire que la loi de l'équation basée sur l'état de référence de Lewis Randall s'approche à le comportement de la loi de Henry. Dans ce cas-là, je veux dire, alors ici, j'ai la fraction molaire de A, ici la fraction molaire de A, je peux l'annuler. Et ce qui ça veut dire, c'est que le coefficient de fugacité, coefficient d'activité de la loi de Lewis Randall fois la fugacité en état pur s'approche à la constante de Henry. Ou, en résumé, que le coefficient de Lewis Randall de A à dilution infinie s'approche à cette constante-là, HA sur FA. C'est ça qu'on appelle, comme je viens de dire, les coefficients d'activité de A à dilution infinie. Il va s'approcher à cette
constante là. Alors, on a deux constats. Qu'est-ce qui se passe quand la fraction molaire s'approche à 1? Qu'est-ce qui se passe quand la fraction molaire s'approche à 0? Et on est arrivé à deux conclusions très importantes. Alors, on va les marier maintenant. Alors, donc on parle maintenant de c'est quoi la relation entre les deux états de référence, Louis Randall et Henry. Donc, on vient de voir qu'il y a dilution infinie de A, et la constante, le coefficient d'activité de Louis Randall est égal à la constante de A divisé par la fugacité en état pur. Mais à l'état pur, on n'a que les coefficients d'activité de A basé sur la loi de Henry est égal à FA sur HA. Ça veut dire la fugacité en état pur divisé par la constante de Henry. Donc, c'est facile de faire une égalisation. Donc, ça veut dire que les coefficients de fugacité de A en état pur sur la loi de Henry, sur la loi de Henry comme état de référence, est égal à A sur les coefficients d'activité basés sur la loi de Lewis Randall à dilution infinie. Alors, ça nous amène à la conclusion suivante. La fugacité de A, qui est égale à, ça c'est pour la loi de Lewis Randall, la fraction molaire de A fois les coefficients de fugacité fois la fugacité en état pur, ça c'est selon la loi de Lewis Randall. Si je peux égaliser ça à à la place d'utiliser cette courbe comme référence, je coupe l'autre courbe comme référence, mais en sorte, je vais calculer la même chose. Donc, je calcule la fugacité partielle de A. Donc, je peux égaliser ces deux équations-là. Et ce qui va relier les deux équations-là, c'est ça. Ça veut dire que la fraction molaire de A fois les coefficients d'activité de Henry de A à l'état pur fois les coefficients d'activité de Lewis Randall à dilution infinie fois la fugacité de A. Et cela amène à un résultat très intéressant parce que si on regarde bien, qu'est-ce qu'on vient d'obtenir? C'est que la fugacité partielle de A, on peut la calculer en fonction de les coefficients de fugacité de Henry de A à l'état pur, et ça, on peut le calculer. Et les coefficients d'activité à dilution infinie. Donc, ce sont deux valeurs qui sont constantes. Ça veut dire qu'ils ne dépendent pas de la composition. Donc, comme ils ne dépendent pas de la composition, on vient d'enlever le coefficient d'activité. On vient d'enlever la complication de la composition parce que maintenant, on peut calculer cette valeur-là pour un certain mélange. Et ça devient que maintenant, on peut, si on connaît la fugacité de A en état pur, bon, on peut calculer la fugacité de A partielle. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Donc, merci.